Oh God. We need you. Nous avons besoin de toi. Esprit de prière, esprit de supplication, esprit de grâce, esprit d'intercession. Ah, Saint-Esprit. Oh, nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais ce soir, nous avons besoin de toi. Oh, s'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens, Saint-Esprit. Viens comme un feu, viens comme un vent. Viens comme le bruit des grandes eaux. Tu es attendu, tu es désiré, tu es bien-aimé, tu es apprécié, tu es célébré, tu es réclamé, tu es imploré, tu es supplié, tu es recherché. Malosiketama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de lui, qui le désire ardemment? Oh God, nous ne savons pas prier, nous ne savons rien faire. Même pour dire Jésus est Seigneur, il faut le Saint-Esprit. Même pour dire, ma Bible dit, ne serait-ce que Jésus-Christ est Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit, du Saint-Esprit. Calebros que te la barasia, che te le bragosi que to, limararabosia, j'ai besoin de toi, Abba. Je veux te toucher et être touché par toi, Seigneur, cette nuit. Mon destin a besoin de toi. Mon futur a besoin de toi. Oh, comme la femme avec la perte de sang. Et en retour, Seigneur, me voici. Mon destin a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Je veux te toucher. Oh, j'ai besoin. Je veux. Seigneur, me voici. Ma santé a besoin de toi. Ma mentalité a besoin de toi, de ta grâce, de ta main étendue, de ta puissance, de ta capacité, de ta gloire manifestée. Tu as dit le peuple que je me suis formé, que j'ai créé pour ma gloire. Ah, je n'ai pas été créé pour faire apparaître le diable, l'échec, la pauvreté, la confusion. Je n'ai pas été créé pour donner, pour avoir le visage de la maladie, de la souffrance, de la galère, de l'échec, de la pauvreté et de la médiocrité, de la dépression. Non, moi j'ai été créé pour ta gloire, à toi. Seigneur, me voici. Oh, s'il te plaît. Je veux. Oh, ne me laisse pas là où je suis. Oh, pour le toucher, la femme avec la perte du sang a dû quitter où elle était. Elle a dû quitter sa maison. Elle a dû quitter sa zone de confort. Elle a dû quitter son ancien système de pensée. Elle a dû sortir des voies. Elle a dû sortir de l'amertume, de l'apitoiement, du découragement. Seigneur, me voici. Pour sortir, pour aller jusqu'à toucher Jésus. Elle venait de quelque part. Elle a dû sortir d'une force, sortir d'une prison. Elle a dû sortir du découragement pour retrouver espoir. Seigneur, me voici. Pour que la foi naisse en elle, elle a dû vaincre la peur de ce qu'on va dire, la peur de ce qu'on va penser, la peur de ce que les gens vont dire, parce qu'une femme qui avait des saignements n'avait même pas le droit d'approcher quelqu'un. Elle a dû vaincre la peur, elle a dû vaincre le découragement, elle a dû vaincre le désespoir, elle a dû vaincre l'apitoiement. Au début, elle se disait, j'ai gaspillé mon argent. Elle a dû remporter des batailles intérieures. Afin de le toucher. Moi, je ne regarde pas mon voisin. S'il est tiède, s'il est froid, ça le regarde. Ah, Seigneur, ce soir, ton pied, mon pied, c'est entre Dieu et moi. C'est une histoire personnelle. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Ah, il faut
je veux. Ah, je ne veux pas, je refuse de rester. Merci pour là où tu m'as emmené. Ta grâce m'a emmené. Mais ce n'est pas la destination. Ce n'est pas là où je dois finir. Ce n'est pas là où je dois rester. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Oh, béni sois-tu pour mon voisin, ma voisine, qui probablement est satisfait. Béni sois-tu pour ceux qui dorment. Béni sois-tu pour ceux qui ont choisi le sommeil. Gloire à Dieu pour eux. Mais moi, mon destin doit être enfanté. Mon futur doit être enfanté. Ma vie doit changer. J'ai besoin de ta main. Besoin de ton attouchement. Besoin de ton dépôt. Besoin de ton déferlement. Besoin de ton déversement. Ah, j'ai besoin de toi, Rabba. Ah, je sais que tu as dit dans ta parole, lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Je sais que tu as dit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Sozo, ça veut dire soulevé, relevé, restauré, exaucé, entendu, visité, restauré, guéri, déployé, étiré, propulsé. Ah, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, je t'en prie. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas parler. Je ne sais rien faire. Mais j'ai besoin de ta capacité. Besoin de l'onction qui fait la différence. L'onction qui qualifie. L'Esprit du Seigneur qui me saisit, qui nous remplit, qui nous saisit, qui nous soulève et qui nous rend capable de prier par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications et d'y veiller avec une entière persévérance. Oh, je veux. Oh, je veux. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, God. We wait on you. We wait on you. Nous attendons. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous venons à toi. Tu as dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Abba, nous venons à toi. Tu as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors je suis certain, nous sommes certains ce soir, qu'alors que nous venons, ah, tu viens à notre rencontre ce soir. Tu viens comme un feu. Tu as rencontré Élie. Il est monté à la montagne de Dieu à Horeb et Dieu est descendu le rencontrer. Moïse est monté sur la montagne, tu es descendu le rencontrer. Nous, ce soir, en esprit, nous mentons, tu viens nous rencontrer à cause de ta fidélité. Alors ce soir, nous ne trouverons pas le néant. Nous ne trouverons pas porte fermée. Nous ne trouverons pas personne. Nous trouverons Dieu. Nous trouverons Dieu. Nous trouverons Dieu. Nous te rencontrerons ce soir. Nous te rencontrerons ce soir. Ah, ma carabo. Bien-aimé, pendant que je parle, tu dois avoir la même audace. Tu dois dire à Dieu, moi je vais te rencontrer ce soir. Il n'y aura pas de hasard à ce qui va se passer. Ma soif va te rencontrer. La femme avec la perte de sang était déterminée. Bartimée était déterminée. La femme cananéenne était déterminée. Il n'espérait pas, elle n'espérait pas. Le centenier n'espérait pas. Pour rencontrer Dieu, il faut être déterminé. Pour recevoir de Dieu, il faut être déterminé. Quitte le visage de la pitié, quitte le visage de la religion, quitte le visage, ah Seigneur, je souffre. Non. Ta souffrance ne le touche pas. C'est ta foi qui touche Dieu. Ta souffrance, tes pleurs et tes lamentations, tes apitoiements ne touchent pas Dieu. Pour toucher Dieu, il faut la foi, il faut l'audace, il faut la ferveur, il faut la violence. Voilà pourquoi ma Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent des choses spirituelles, qui prennent possession. Ce ne sont pas ceux qui font pitié. Ce ne sont pas ceux qui s'apitoient. Ce ne sont pas ceux qui prennent le visage de la tristesse, bien-aimé. Anne a essayé ça bien avant toi. Pénina l'a mortifié. Pénina l'a critiqué. Anne faisait le visage de la pitié. Oh, pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi les gens sont comme ça? Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne comprends pas. Ça n'a pas ému Dieu. Ça n'a pas libéré Anne de la stérilité. C'est lorsqu'elle est montée au temple,
temps. C'est lorsqu'elle est allée rencontrer Dieu, elle est allée rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de le rencontrer? Dis-lui ce soir, je vais te trouver. Je vais te toucher. Et tu vas me toucher à cause de ta fidélité, pas à cause de mon mérite. Mais je vais te trouver. Oh non, moi je suis un incapable. Je vais te trouver. Je vais te trouver. Mon destin va te trouver. Ma vie va te trouver. Mon témoignage va te trouver. Mon héritage va te trouver. Mon histoire va te trouver. Elle a retrouvé la sorcellerie, l'échec, la misère, la médiocrité, la pauvreté, les restrictions, les limitations. Je vais te trouver. Les hommes et les femmes de foi disent, je vais le toucher. Je sais ce qui va se passer. Une force, une puissance va sortir du trône, va sortir de lui. Je ne resterai pas, je ne resterai pas. Est-ce qu'il y a un violent dans la place? Est-ce qu'il y a un violent connecté? Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ah, je vais te toucher. Merci pour ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Et Seigneur, il y a plus. Seigneur, il y a mieux. Seigneur, il y a plus. Il y a mieux. Il y a plus haut. Il y a plus profond. Il y a plus large. Il y a un destin. Il y a un destin. Il y a une histoire que tu veux révéler, manifester. Il y a une lumière que tu veux révéler au milieu des ténèbres. Il y a un sauveur. Il y a un libérateur. Il y a un écrivain. Il y a un écrivain de l'histoire que tu veux enfanter. Avec 5 pains de poisson, je sais que tu peux faire beaucoup. Je ne suis rien, moi je ne peux rien. Voilà pourquoi je reconnais que j'ai besoin de toi, j'ai besoin, besoin. Ah bah, Seigneur, me voici. Oh, rachale pour ma vie. J'ai besoin de toi pour prier. J'ai besoin de toi pour parler. J'ai besoin de toi pour cette veillée. J'ai besoin de toi pour ma vie. Besoin de ton aide, de ton assistance, de ta main, de ta grâce pour me porter, nous soulever. Oh God, we need you, we need you, we need you. Sans toi, il n'y a pas de gloire révélée au milieu des ténèbres. Sans toi, sans ton toucher, sans ta rencontre, sans ta révélation, sans ta visitation, il n'y a pas de vie transformée. Oh, je t'en supplie, ce soir, j'ai besoin de te rencontrer. Besoin de la révélation, la rencontre, la rencontre. Il faut une rencontre pour enfanter un destin. Il faut cette rencontre pour enfanter un destin. J'ai pas besoin de prier, j'ai besoin de te rencontrer, besoin de te toucher, besoin de ta révélation, besoin de te voir comme tu es. Besoin, je monte à ta rencontre en esprit. Alors s'il te plaît, rencontre-moi, rencontre-nous, rencontre-nous. Viens nous récupérer, viens nous prendre, viens nous catapulter, nous emmener. Au cœur de ta volonté, au cœur de ta gloire, au cœur de tes desseins, au cœur de tes projets, au cœur de la vie éternelle, au cœur de la vie abondante, au cœur de la vie de l'héritage, au cœur de la vie de distinction, au cœur de la vie de splendeur, au cœur de la vie de gloire, au cœur de la vie des merveilles. Viens nous catapulter, viens nous récupérer, nous récupérer, nous récupérer. Viens me récupérer et me catapulter, catapulter moi et ma maison et mon histoire et mon témoignage et mon ministère et mon église et mon potentiel. Ah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, 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 besoin. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Oh, je veux. Seigneur, me voici. Abba, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Je veux. Seigneur, me voici.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, mettez-le à l'écran. Le royaume des cieux est forcé. Les bras si là-bas. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Abba, Abba. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents. Ils s'en ont pas. Le mot violent, c'est le mot grec biasté. Ça signifie employer la force. Employer l'audace. Employer la résilience. Se battre contre le vent. Avoir une mentalité de fourmi. On te dit non, c'est pas pour toi. Non, tu n'as pas le droit. On te met une barrière. La fourmi ne se résigne pas. La fourmi, tu mets l'obstacle, elle va contourner. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je ne resterai pas là où je suis. Ce sont les violents ou encore ceux qui emploient la force ou encore ceux qui sont énergiques. Le Seigneur te demande ce soir de faire preuve d'énergie. La Bible dit la prière. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance. Et le mot grec, c'est pareil, énergéo. Il n'a pas prié comme un religieux. Toi-même, tu vois ma vie. Ah, tu ne vois pas la douleur là. Ça ne te fait rien. Non, ce n'est pas ça qui aime Dieu. C'est la violence, bien-aimé. C'est l'attitude de la veuve face au juge unique. Ça, ça m'appartient. Le juge dit, non, je ne vais pas m'embêter. Elle dit, c'est à moi, je ne lâche pas. Je vais continuer de frapper, de frapper, de frapper, d'insister et d'insister jusqu'à ce que tu lâches. Bien aimé, si tu es venu ici en te disant je ne comprends pas, mais pourquoi il faut demander plusieurs fois, je ne comprends pas. Bien aimé, c'est parce qu'il y a une adversité dans le monde invisible. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les barrières invisibles entre le ciel et la terre. Le problème, ce sont les entités sataniques, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants qui font barrage, qui essaient de bloquer le ministère des anges, qui essaient de le freiner. Et tu n'as pas le temps de te plaindre, bien-aimé. Tu n'as que le temps d'être violent et de dire, je ne cède pas. Les démons ne veulent pas céder. Moi aussi, je ne cède pas. Il y en a un qui cédera parce que ma Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Il y en a un. Lui, il veut te résister. Il veut te résister. Mais ma Bible dit toi aussi résiste. Est-ce que tu es prêt pour un bras de fer? Ta destinée a besoin d'un bras de fer. L'ennemi ne veut pas lâcher ta vie comme ça. Tu penses que les paroles que Dieu a libérées dans ta vie, Satan va être un spectateur et puis va dire oh, d'accord. Bien-aimé, même pour la naissance de Jésus, il a tout fait. Il sait que c'est Dieu. Non, il ne sait peut-être pas. Mais en tout cas, il sait que le bébé là est porteur de prophétie. Il sait que Moïse est porteur de prophétie. Il sait que Dieu a des projets qu'il a déjà déclarés. Il connaît un peu les Écritures. Il sait que la postérité de la femme doit venir un jour et lui écraser la tête. Il sait tout ça. Il sait. Les habitants, les peuples de Canaan savent qu'Israël est plus fort. Même Balak, le roi Balak, tu vois ça dans Nombre chapitre 23. Même le roi Balak, Balak, il sait qu'Israël est plus fort. Il fait, ne crois pas que parce qu'il sait que tu es loin, parce qu'il sait que tu es fort, il s'arrabe à dire, nous sommes terrifiés. On a peur de vous. Ils ont peur. Mais ne lâche pas comme ça, bien-aimé. Alors arrête de dire, je ne comprends pas. Si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Non, bien-aimé, le diable a peur. La Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le savent et ils tremblent. Ils tremblent, mais ils ne lâchent pas comme ça. Voilà pourquoi tu ne peux pas attendre qu'ils lâchent. Attendre patiemment qu'ils lâchent. Tu dois aller faire preuve de violence et d'énergie. Récupérer ton destin. Récupérer ta santé. Récupérer ton histoire. Récupérer ton témoignage. Récupérer la grâce. Récupérer la faveur. Tu dois être violent ce soir. Tu
tu dois faire preuve de force ce soir. On ne parle pas de la force physique, on parle de la force spirituelle. Que l'esprit de force te soulève ce soir et te rende capable de tenir tout au long de cette nuit l'enfantement de ton destin. Que l'esprit de force, l'esprit de feu, l'esprit de domination vienne sur toi maintenant. Qu'il vienne te saisir, qu'il vienne te oindre, qu'il vienne te revêtir des armes de Dieu, de la puissance de Dieu, de la vigueur de Christ, de la vitalité de Christ, au nom de Jésus. Tu sors donc de la pensée de la mendicité, de la pitié, de l'apitoiement, en disant que parce que Dieu voit ta douleur, il va agir. Non, Dieu ne voit pas la douleur, Dieu voit la foi, Dieu voit la foi, Dieu voit la violence, Dieu voit l'audace. Tu as déjà exaucé, mais tu dois aller l'embano, tu dois aller prendre, tu dois aller arracher. Marekasito remakaya. Malo, rends-nous violents ce soir, rends-nous fervents ce soir, rends-nous bouillants ce soir. Délivre-nous de la mollesse, de l'assoupissement, de la lourdeur, de la passivité, de l'attentisme. Ce soir, nous, on n'attend pas, nous, on vient récupérer. Ce soir, nous faisons preuve de violence. Biaste, biaso, ce sont les violents qui s'emparent. Ils l'emmanent, ils le prennent. Oh, ma rapocha, te prokazikotama, librokoskete lebrahi, marokesete kalamama, remasia le rose. Invoque le Saint-Esprit. Ah, demande-lui, Saint-Esprit. Chakate leba, Saint-Esprit, invoque-le, invoque-le. Yere mare roshi le damararo. Onction de Dieu, 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 onction de Dieu. Onction de Dieu, 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 onction de Dieu. Tu vas prier en langue toute la soirée aujourd'hui. Lèvres, l'esprit de prière vient sur toi ce soir. Tu vas bouger toute la soirée. La force du Seigneur va te localiser ce soir. Limare, chanarobosi, malte la cousse de ta libraso. Il est brossé. Oh, we need you, Spirit of God. Onction of God. Onction de Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert invisible, bien-aimé. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a. Quand il descend, oui, tout s'arrête, le désordre s'arrête.
car il y a perfusion, injection, injection de puissance quand il descend. Oh, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Est-ce que tu as vu Avengers? Ah, est-ce que tu as vu Avengers? Ce n'était qu'une homme des choses spirituelles. Lorsque la combinaison vient sur Iron Man, il faut qu'il lève les mains. Quand il lève les mains, l'appareil sait qu'il doit venir prendre ses mains. Ça veut dire prendre ses mains. Il vient se poser sur les pieds. L'onction de Dieu arrive comme ça sur toi ce soir. Si tu lèves les mains, il vient envelopper tes mains. Il vient te mettre les chaussures du sel, de l'évangile de paix. Il vient te mettre la cuirasse de la justice au nom de Jésus. Il vient mettre la ceinture de la vérité et l'épée de l'esprit. Il vient mettre sur toi le casque du salut. Oh, tu es beau, tu es belle, tu es impressionnant, étincelant. Tu es admirable et magnifique. L'onction te décore, l'onction te rend impressionnant, l'onction te rend intimidant. Waouh! Oh, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour voir l'armée qui est mobilisée, pour voir l'armée qui est revêtue. Oh! Quand tu descends, s'arrête, les yeux des ténèbres s'arrêtent, les réclamations s'arrêtent, les maladies s'arrêtent, les afflictions s'arrêtent, les bras des méchants s'arrêtent, les tourmenteurs de l'enfer s'arrêtent, les serpents s'arrêtent, ils sont égorgés quand ils descendent. L'atmosphère change. Il y a. Maracha les cobriasses. Libra casse. Quand il descend. L'atmosphère change. Est-ce que tu entends les gyrophares? Oh! Malikose ta libra sa. Le glorieux, le Saint-Esprit. Est-ce que tu entends les gyrophares? Il annonce sa venue. Oh, bien-aimé, quand il vient dans la place, quand il venait dans le combat, les Philistins disaient aïe, 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 aïe. Israël disait oura, oura, alléluia, alléluia. Il est dans la place. Fais ton ministère, viens faire ton ministère, viens faire tes œuvres, viens remplir, viens conduire, viens ouindre, viens revêtir, viens équiper, viens armer. Chaque état, viens faire parler le sang, viens accomplir tes œuvres de miracles, tes œuvres de prodiges, tes œuvres de guérison, tes œuvres de délivrance, tes œuvres de restauration, tes œuvres de libération, de destruction des jougs, des fardeaux ôtés, des chaînes brisées, des yeux des aveugles ouverts. Les oreilles des sourds qui s'ouvrent. Viens faire ton ministère. Le Saint-Esprit est là. Le glorieux, le majestueux, le magnifique. Oh, nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Lorsqu'il venait dans la bataille, lorsqu'il a mis les pieds à Jéricho sous la forme de l'ange de l'Éternel, Israël a dit oura, il est là dans la place. Ah, au bout du septième jour et du septième tour, ils ont poussé des cris selon qu'il est écrit, poussé vers l'Éternel, des cris de joie pour tous habitants de la terre, et faites retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est grand et très dit de louange, redoutable parmi les dieux. Le Saint-Esprit est là. Arracha le que la mara sotele. Sete le maraco se que talamaro. Chele lo di doroma. Chalero chele maraso. Le Saint-Esprit. Oh, we welcome you. We welcome you. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Maintenant accomplis tes desseins. Viens remplir ton peuple. Viens conduire.
Viens, oui. Viens faire ta volonté. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la dimension où que ton règne vienne. Viens prendre le commandement de ma vie, de mon esprit, mon âme, mon corps, mes pensées, mes paroles, mes émotions, mes sentiments, ma volonté, mes pensées. Viens irradier le temps que je suis. À travers moi maintenant, fais de moi un instrument d'exécution, d'établissement, d'imposition des desseins de la volonté du Père sur la terre comme au ciel. Maintenant, élève la voix, demande-lui de faire de toi son instrument. Oh, mes mains sont là, ma bouche est là, mes pieds sont là. Armé, quand on est armé, c'est pour devenir un canal, c'est pour devenir un messager, c'est pour devenir un serviteur. Makato le brasile gano se le mana. Seyere lolo, alara marado. Sele karra marabo, shile ramarado. Sile marera riro, diramo, diramo, diro sele ro, shila de ma. Sire ramara, soke de ramara. Sile ramaro, shile ramaro, sile ramaro. Sidere da maro, sidero di da marero. Sidere di da maro, sidere di maro. Sidere di da maro, sidere di maro. Sidere di maro, je veux te rencontrer. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être ton instrument. Seigneur, me voici. Aide-moi ton instrument. Rempli de toi. Pose ta main. Bras du Seigneur. Oh. Viens nous soulever. Seigneur, viens nous escorter. J'ai les règles de ta volonté. Je veux te toucher. La toucher par toi. La roche, 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 la roche. Alléluia. Chantons. Ah, ah, alléluia. 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 Inira parache. Abba, chantons. Nous proclamons. Alléluia. Dans le monde on dit hurrah, dans le royaume on dit hallelujah. Pour annoncer un triomphe. Dans le monde on dit hurrah, nous on dit hallelujah. Ta présence fait la différence. Allez. Oh. Alléluia. C'est rendre gloire à Dieu en avance. Comme le Père Abraham. Espérant contre toute espérance, il ne douta point par incrédulité. Au sujet de la promesse de Dieu. Romains 4, verset 20. Verset 19, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Ça signifie que le Père Abraham a crié, a
avant de voir l'enfantement de son destin, avant de voir la manifestation de ma parole dans le monde en Iouna, dans le royaume en Iouna. Il y a un seul son qui escortera ma vie, il y a un seul son qui escortera cette église. C'est la mélodie et la gloire de ton nom. C'est la louange et la gloire de ton Saint-Nom. Ah, les anges disent alléluia, gloire à Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. La terre entière est remplie de ta gloire. Nos vies sont remplies de ta gloire. L'église est remplie de ta gloire. Je crois que ta présence fait la différence. Est-ce que toi aussi tu crois que sa présence fait la différence? Ce qui aimait Dieu, ce n'est pas la pitié, c'est la foi. Ce qui le touche, c'est la foi. J'ai dit alléluia en avance. J'ai dit alléluia, gloire à ton nom. C'est le son qui accompagnera ma vie, mon histoire, mon destin. Oh, c'est le son, c'est l'atmosphère. C'est l'odeur qui accompagnera tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire gloire. Les paroles que tu as proclamées vont s'accomplir. Le destin que tu avais préparé pour moi avant la fondation du monde, c'est le destin qui parlera, qui sera visible. Parce que ta main localise les vases de terre que nous sommes. Oh, Abba! Car ton bras n'est pas trop court pour sauver. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu as compassion de ceux qui te craignent. Tu entends les voix, la voix de nos supplications. Lorsque les justes crient, Seigneur, tu entends. Et tu les délivres de toutes leurs détresses, de tous les ennemis de notre destin. Ma grâce, ta fidélité parlera. Je crois, Père, en ta toute puissance, Abba. Je n'ai pas de piston, je n'ai pas de gens pour m'aider, je n'ai pas de gens pour me venir en aide. Mais ma Bible dit que nous avons tout, pleinement, en Christ, en toi, qui est le chef de toute autorité. Que le piston des pistons, la connexion des connexions, le chirurgien des chirurgiens, l'autorité des autorités, tu es le chef des chefs. Ah, je veux te dire que je te fais totalement confiance. Oh, oh, arrêchale camarades, je te fais. Bien-aimé, Dieu ne se manifeste pas dans n'importe quelle atmosphère. Il ne se manifeste pas dans une atmosphère où on pleure. Il ne se manifeste pas dans une atmosphère où on se plaint. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange d'Israël. Il siège au milieu de la louange et de l'atmosphère d'adoration, de contemplation, de proclamation. Car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. C'est ce qu'Israël a proclamé pendant 7 jours. Ils ont fait le tour de Jéricho pour voir les murailles tomber. Ils ont dû agir avec foi. Ils ont dû parler avec foi. Ils ont dû chanter avec foi. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils ont juste obéi. Et au bout du 7e jour et du 7e tour, Dieu leur a dit, maintenant, poussez vers l'Éternel un cri de joie. Et ils ont juste crié. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Il y avait une guerre spirituelle. Parce que Dieu réside dans la louange, dans l'adoration. La foi le stimule, la foi le challenge, la foi l'engage, la foi oblige Dieu, la foi engage Dieu. Oh, il n'y a pas d'autre mélodie, il n'y a pas d'autre résultat en dehors de Hallel. Oh, alléluia. Ce mariage répandra une odeur de alléluia. Ce travail, ce destin répandra une odeur de alléluia. Ce corps, cette santé, ce cœur, oh, ce cœur répandra une odeur de alléluia, 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 alléluia,
libre caramase que te la barosi. Eri marosi de Aronie. Ararara. Ebrosi ere la marosi. Ale, ale. Il n'y aura pas d'autre son. Il n'y aura pas un son de pitié. Non. Dans Romains 4, verset 19, bien-aimé, et sans faiblir dans la foi, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il a refusé de considérer. On lui a dit, oui, mais la situation, c'est comme ça. Oui, mais les faits sont têtus, les faits sont statistiques, les faits sont avérés, les faits. Il a dit, je ne considère pas. Je considère un autre scénario. Le scénario que je considère, c'est que dans son palais, pour s'écrire gloire. Et si je suis son palais, je connais la suite de l'histoire. Dans son palais, dans ton palais, ah bah, tout se crie. Ah, tout se crie. Ah bah, tout se crie. Ils ont dit qu'il y a la stérilité, mais tout se crie. Ils ont dit qu'il y a la dépression, mais tout se crie. Ils ont dit qu'il y a l'impossibilité, c'est improbable, impensable, inespéré. Faut même pas penser. Ils ont donné les fêtes. C'est incurable, c'est impensable. Personne ne s'est remarié. Personne n'a réussi à sortir de la force du divorce dans cette famille. Personne n'a réussi à sortir de la force de l'échec, de la médiocrité. Personne n'a réussi à sortir de l'esprit de mort. Mais tout c'est qui? Mais dans ton palais, tout c'est qui? C'est ce que Abraham a dû combattre, remporter un combat intérieur. Dans ton palais, tout s'écrit. Ils ont dit qu'on va échouer, mais ils essaient de chouer pas. Parce qu'ils essaient, c'est ton palais. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Je refuse de considérer. Ils ont dit, personne n'a jamais fait ce que vous voulez faire. Vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Tu te prends pour qui? Toi tu vois où? Toi tu crois que quoi? Je ne sais rien, mais je sais que dans son palais tout s'écrit. Ce n'est pas ma faute, je suis son palais. Ce n'est pas ma faute, je suis son palais. Dès lors qu'il a fait de voir son palais, il a changé mon histoire. Dès lors qu'il a fait de voir son palais, il a changé mon témoignage. Je ne peux pas rester dans l'échec. Je ne peux pas rester enterré. Je ne peux pas rester limité. Je ne peux pas rester parce que dans son palais tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ce n'est pas à cause de moi, c'est parce qu'il m'a réquisitionné. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, j'allais me raconter à ma foi. Cette gloire ira de ta vie. Cette gloire se répand sur toi. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans ma maison, tout s'écrit. Dans l'ICC, tout s'écrit. Dans ton histoire, tout s'écrit. Dans nos finances, tout s'écrit. Dans notre santé, tout s'écrit. Dans notre témoignage, tout s'écrit. Ce n'est pas à cause de moi, non. Faut pas m'en vouloir. C'est parce que ça même a saisi. Et quand il saisit, je le viens son ouvrage. Je le viens son temps. Je le viens son palais. Tout s'écrit. C'est sa volonté. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. C'est à cause du résident. Dans son palais, tout s'écrit. Voilà
cette maladie, voilà pourquoi cette maladie, cette condition n'est pas pour ma confusion, n'est pas pour mon futur. Tu n'appartiens pas à mon futur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Tout s'écrit dans mon histoire, tout s'écrit dans mes enfants, tout s'écrit. Tout s'écrit. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que le scénario, le script est déjà fini. L'histoire s'écrit déjà. Christ en moi, l'espérance de là. La fin a déjà été fixée par Dieu. Le combat a déjà eu lieu en différé. Tu es venu en retard, Satan. Tu es venu en retard, démon. Tu es venu en retard, sorcellerie. Tu es venu en retard, limitation. Le film est déjà fini. Tu es arrivé à la fin. Le film a eu lieu à la rédemption. La scène a eu lieu à la rédemption. C'est fini. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Maréchal les bras bizarres. Je vois la gloire de Dieu écrite dans mon destin, écrite dans ton destin. Ce sont les violents qui l'enfantent. Ce ne sont pas ceux qui attendent, bien-aimés. Ce sont ceux qui sont violents. Ce sont ceux qui sont fervents. Ils ne considèrent pas les statistiques. Ils ne considèrent pas les probabilités. Ils ne considèrent pas les verdicts humains. Ce sont des faits, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que dans son palais, tout s'écrit. Je n'ai pas d'autre destin que de révéler sa gloire. Parce que je suis réquisitionné. Est-ce que c'est ton cas, toi aussi, tout s'écrit. Dans mon histoire, tout s'écrit. Dans mon témoignage, tout s'écrit. Qui sait écrire une histoire? Cette histoire s'écrira. Oh, notre génération dira. Car il fera ce que Dieu aura fait à travers nous, bien-aimés. Ce n'est pas nous, c'est sa grâce qui va le faire. Et ma génération, les générations futures diront. La francophonie s'écrira. Les extrémités de la terre diront. En voyant ce que Dieu aura fait à travers moi, à travers toi, à travers toi, à travers toi. La francophonie s'écrira, la terre entière s'écrira. Lorsqu'ils verront la gloire de Dieu atterrir à Paris, atterrir à la capitale de la francophonie, les derniers seront les premiers parce que ici tout s'écrit, dans cet endroit tout s'écrit. Dans cette maison, tout s'écrit. Maréchal à les rosiers. Maréchal les rameaux. Viva de côté les marocia. Oh, ça n'arrive pas aux religieux, non, bien-aimé. Ça arrive à ceux qui sont violents. Ceux qui ont dit, je ne reste pas là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Tu ne peux pas me maintenir dans la misère, dans la dépression, la défaite, l'échec, la confusion, la folie, la mort prématurée, les maladies chroniques. Oh! Car je suis son palais, et dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le palais de Dieu? Connecté au fond de moi. Dans son palais tout s'écrit. 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 C'est à cause de ça que je ne peux pas échouer. C'est pas à cause de mon titre. C'est pas à cause de mon nom de famille. C'est parce que je suis son palais. Alors il y a une mélodie qui accompagne le palais. Il y a un son qui sort de ce palais. Faut ma violence et ma foi, mon engagement et mon obéissance pour manifester. Au milieu des ténèbres, c'est le sang que tu émettras. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais.
aller, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Ma vie ne peut pas émettre un autre son. Parce que la gloire sort en permanence. Il y a un son invisible qui sort. Il y a un bruit invisible qui sort. La voix du sang de Jésus plaide. La voix du sang de Jésus parle au monde des ténèbres. Je sais que vous aviez des projets pour lui. Je sais que vous aviez des projets de mort prématurée. Je sais que vous aviez des projets de destruction, de limitation, de maladies chroniques, de souffrances chroniques. Je sais que vous aviez des projets. Il y a une voix qui parle à ma faveur. Mais elle dit, je sais, vous aviez prévu avant sa naissance les hommes forts. Je sais, mais je l'ai racheté. Mais j'ai payé le prix. J'ai versé mon sang. Je suis réclamé par le sang. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle pour toi. Il dit, il y a un destin, il y a un destin. Il n'a pas été sauvé pour être en bonne santé. Il a été sauvé pour accomplir un destin. Et pour accomplir ce destin, sa santé bonne est nécessaire. Sa vigueur est nécessaire. Sa délivrance est nécessaire. Sa restauration est nécessaire. Voilà pourquoi, serpent, tu ne peux pas rester. Voilà pourquoi, force, tu ne peux pas le retenir. Voilà pourquoi, sépulcre, tu ne peux pas l'enfermer. Il a déjà un destin. Vous aviez prévu des destins, des projets pour lui, c'est vrai. Mais moi aussi j'ai des projets. Et j'ai versé mon sang. Voici le sang de la rédemption qui parle. Oh, tu ne peux pas me retenir. Bienvenue, c'est ce que Abraham a fait. Il a organisé un show personnel dans sa maison. Il a célébré Jésus. Il a célébré l'Éternel de l'Ancien Testament. Dans son palais, tout s'écrit. Je sais, vous avez des verdicts. Vous avez dit que ce n'est pas possible, je sais. Et dans son palais, tout s'écrit. Voilà pourquoi Abraham a refusé de considérer. Il a compris que son cas était différent. Qu'on ne pouvait pas le mettre dans les statistiques. Il est dans les statistiques du sang. Les statistiques de la rédemption. Les statistiques de l'alliance. De l'alliance du sang. Dans son palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Dans ton palais, tout s'écrit. Les bras, 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 les Le Dieu de fidélité, le Dieu qui m'a racheté par son sang précieux, le Dieu qui a versé son sang, et dont le sang parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang, le sang parle. C'est la babo chalet rosier. Il a refusé de faiblir dans la foi. Parce que lui, il avait une espérance, il avait une alliance. Il a refusé de céder aux statistiques. Il a refusé de céder aux verdicts. Ton corps est trop vieux, je sais. Il n'y a personne qui a cet âge-là, change de destin, je sais. Mais mon cas est différent. Il y a une alliance à laquelle je suis connecté. L'alliance parle. Elle est scellée avec un sang. Et ce sang parle en ma faveur. Tout ce dont tu as besoin,
c'est que je ne cède pas. Je ne faiblisse pas. Racontez ce que vous voulez. Je ne cède pas. Mon cas est différent. Dans son palais, tout s'écrit. Aro chale kata. Maro que c'est au lima carabo. Dès lors que je suis son palais, j'ai une destination différente. Dans destination, il y a destin. Je ne peux pas subir le sort des autres. Du reste du monde, tu ne peux pas m'en mettre dans les statistiques des divorcés, des malades, des morts prématurés, non. Non. Mais tu dois le savoir. Et être violent pour dire non. Je refuse. Je refuse de subir l'impunité. Je refuse de subir l'échec. Je refuse d'être réclamé. Je refuse de me laisser enfermer. Je refuse de me laisser envelopper. Non. Je suis son palais. Je ne suis pas le palais de Mami Wata. Je ne suis pas le palais de la mort prématurée. Je ne suis pas le palais de la pauvreté. Des maladies chroniques, des serpents, des dragons. Non, non, je ne suis pas ton palais. Ce sont les violents qui disent je ne suis pas ton palais. Les religieux disent j'attends que Dieu vienne me secourir. Non! Il m'a déjà secouru à la croix, il a tout accompli. Ce qu'il attend de moi, c'est que je vienne réclamer. C'est que je résiste au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez. Ne vous laissez pas happer. Tu ne m'emporteras pas. Tu n'emporteras pas mes enfants. Tu n'emporteras pas mon histoire. Tu ne vas pas embarrasser ma vie. Non. Tu ne prévaudras pas mal sur moi. Non. Parce qu'il y a un son qui appelle. Il y a un son qui est émis, qui accompagne ma vie. Et ce son dit gloire. Christ en moi, en nous, l'espérance de la gloire. Il y a une destination. Voilà pourquoi tu sors de la destination de la mort prématurée. Tu sors de la destination de la maladie chronique. Tu sors de la destination de l'échec chronique. Tu sors de la destination de divorce chronique. Tu sors de la destination des célibats chroniques. Tu sors de la destination de la pauvreté chronique. Tu sors de la destination des limitations chroniques. Tu sors de la destination des plafonds de verre. Tu sors de la destination qui serait prévue pour toi, de l'addiction, de la dépendance. Tu sors de l'addiction, de la destination des impudicités, des impuretés, des perversions, des débauches. Tu sors de là. Ça, ce sont les projets qu'ils avaient formés sur ta vie. Tu sors de l'emprise des serpents qui retenaient ta vie. Tu sors des forces qui avaient enterré ton destin. Tu sors de la paresse, tu sors de la lourdeur. Tu sors de la mollesse, tu sors de l'esprit d'escargot, l'esprit de tortue. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors de leur destination. J'ai dit tu sors. Tu sors de la force, tu sors de là. La force de la dépression, la force du découragement, la force de la faim, la force du rejet, la force de l'incrédulité, la force de la rébellion, la force de la colère, la force de la masturbation, la force de la débauche, le tombeau de la débauche, le tombeau de la maladie chronique, le tombeau du cancer, le tombeau des maladies mystiques, le tombeau des maladies mentales, le tombeau, tu sors de la folie, tu sors de la schizophrénie, tu sors de la bipolarité, tu sors de l'autisme, tu sors, déclare de quoi tu sors. Tu sors. C'était une destination que vous avez préparée pour toi. L'impudicité chronique de père en fille, de père en fils. Instabilité familiale, conjugale. Pauvreté chronique, même mordue par des serpents. C'était la destination qu'on avait prévue pour toi. Le problème pour eux, c'est que dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que pendant qu'ils essaient de te tirer, une autre voix te tire à droite et ils voulaient t'emmener à gauche. Mais la main du Seigneur prévaut. La main du Seigneur brise les bras des méchants ce soir. La puissance du Saint-Esprit brise les bras des méchants. Brise les bras des méchants. Tout emprise de la sorcellerie, de la mort prématurée. Toute voix qui réclamait ton échec, réclamait ton étouffement, réclamait ton asphyxie, qu'elle soit condamnée à la destruction ce soir. Qu'elle soit jugée par le feu ce soir. Qu'elle soit écrasée au nom de Jésus. Ils avaient prévu une destination pour toi. Mais dans son palais, tout s'écrit.
parce que tu es son palais, un autre destin a été ouvert. Un livre a été ouvert. Un cahier a été ouvert. Une histoire nouvelle a commencé. Voilà pourquoi ton histoire ne ressemblera pas à celle de tes ancêtres. Voilà pourquoi ton histoire ne ressemblera pas à celle de tes ancêtres. Si tu dois être le premier, la première à sortir, je déclare que tu es la première, le premier à sortir. Si personne n'y est jamais arrivé, c'est toi le premier, c'est toi le premier, c'est toi la première à sortir du lot, à sortir de la vague, à sortir de leur destin. Parce que dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Et ce sont les violents qui s'emparent de cet héritage. Dans son palais, tout s'écrit. Je ne peux pas être retenu. Je suis un prisonnier de là. Je suis appelé pour là. Je suis destiné pour là. Je suis réclamé pour là. Je suis commandé pour là. Je suis réclamé pour là. Je suis destiné pour là. Ça ne devient pas à cause de moi, j'étais réquisitionné. Une main invisible m'a réclamé pour le révéler au milieu des ténèbres, pour l'enfanter de ma génération. Dans son palais, tout s'écrit. 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 Je ne peux pas être enfermé. La voix du sang parle pour moi. La main de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. Tout ce qu'il attend de toi, c'est la ferveur. Tout ce qu'il attend de toi, c'est la violence. Tu refuses de subir. Vous ne m'emporterez pas dans les célibats chroniques. Ta vie ne finira pas dans le divorce. Ta vie ne finira pas dans la maladie. Ta vie ne finira pas dans la sorcellerie. Ta vie ne finira pas dans le chêne. Ta vie ne finira pas mort prématurée. Non! Ceux qui appellent tous les jours ta mort prématurée, c'est eux qui vont mourir de manière prématurée. Ceux qui appellent ta mort mourront à ta place. Ceux qui appellent ta mort mourront à ta place. Dans le nom de Jésus, parce que dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, je suis réclamé pour là, je suis réclamé pour là, je suis destiné à là, à le révéler dans là, dans son palais tout s'écrit. Son palais tout s'écrit. Son palais tout s'écrit. Les bras, est-ce que tu peux acclamer si cette parole est pour toi? Ah, ça, les bras qui s'autocalent les massas. Ma rochelle les quais, les brosiqueta. Ma tolique et les brouillers. Que les ennemis et les adversaires de ton destin, les hommes forts, provenant de la maison de tes ancêtres, les hommes forts établis dans ta sphère professionnelle, dans ta sphère d'influence, que les ennemis de ton destin soient jugés ce soir. Que les mains levées contre ton destin par la puissance de résurrection de Jésus-Christ soient brisées et broyées ce soir. Que les voix qui se sont levées contre ton destin
en incantation, en sortilège, en sort, sois condamné à manger le produit de leurs lèvres ce soir. Que les ennemis invisibles de ton destin, déguisés en ange de lumière, en faux serviteur de Dieu, les ennemis invisibles de ton destin, ils ne sont pas là pour te combattre. Eux, ils sont là pour te séduire, pour te faire faire des déviations. Car les mauvaises prédications, les mauvaises fréquentations, que les ennemis de ton destin soient exposés, soient mis à nu, que leurs mauvaises œuvres soient mises à nu, leurs ténèbres soient mises à nu, leurs projets soient réduits à néant, que leurs projets échouent. Que ce qu'il voulait inoculer dans ta vie à travers ses relations physiques, proches ou lointaines, que leur poison qu'il voulait inoculer dans ta vie soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Que le voile de la séduction, le voile de cécité qu'ils avaient mis parce que ces ennemis de ton destin, par la ruse, ils ont mis un voile sur toi pour que tu ne les vois pas, que tu ne vois pas leur jeu, que tu ne vois pas leur ruse. Il y a des gens que tu écoutes, il y a des gens que tu fréquentes qui sont des ennemis de ton destin. Tu les appelles amis. C'est pour ça que je dis ennemis. Ils ne sont pas adversaires, ils sont ennemis. L'adversaire t'affronte, l'ennemi te séduit, il te corrompt à petit feu. Il y a quelque chose de lui qui rentre en toi parce que tu lui as donné accès. Il emploie la ruse. Que ces ennemis de ton destin, les praticiens des sciences occultes, il y en a même qui pratiquent la sorcellerie. Il y en a, tu crois qu'ils sont ce que tu crois, mais en fait, dans la nuit, ils sont complètement autre chose. Que ces personnes infiltrées dans ta vie soient dévoilées, soient mises à nu. Que leur folie soit rendue visible au nom de Jésus. Que leur mauvais dessein, mauvais projet soit exposé au nom de Jésus. Que la lumière vienne pour les dévoiler au nom de Jésus. Que le voile d'aveuglement qu'ils ont mis sur toi soit déchiré au nom de Jésus. Les poignards qu'ils ont employés contre toi, à travers les calomnies derrière ton dos, les critiques derrière ton dos, pour qu'on te rejette, pour qu'on te combatte, pour qu'on te disgracie. Ils sont là à côté de toi, mais ils sont contre toi. Que leur manipulation, leur manœuvre, leur ruse soient maintenant sans effet au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous annulons leur plan. Par le sang de Jésus, nous annulons leur projet. Par le sang de Jésus, toutes les semences que tu avais déjà semées, les semences pour ta destruction, pour que tu perdes ton emploi, tu perdes ton étoile, tu perdes ta lumière, tu perdes ta faveur. Que les semences mystiques qui ont été semées dans ta vie par le sang de Jésus soient détruites au nom de Jésus. Soient détruites au nom de Jésus. Ce sont des gens auxquels tu as fait du bien mais qui te font du mal. Que le Dieu de justice les juge au nom de Jésus. J'ai dit que le Dieu de justice les juge au nom de Jésus. Toi, ne te mets pas en colère, mais que la colère de Dieu agisse contre eux au nom de Jésus. J'ai dit que la colère de Dieu agisse contre eux. Que la vengeance de Dieu agisse contre eux. Que la rétribution divine agisse contre eux. Et que la rétribution divine agisse contre les ennemis et les adversaires de ton destin. Que le jugement de Dieu les atteigne. Que le jugement de Dieu les atteigne. Que la main du jugement du Seigneur les atteigne. Tout ce qu'ils avaient préparé, conçu pour ton embarras, ta disgrâce, ta destruction, ton anéantissement, que le juste juge se lève en ta faveur.
que les fosses qu'ils avaient creusées les reçoivent eux-mêmes au nom de Jésus. Les sépulcres qu'ils avaient ouverts pour t'accueillir, ils tombent dans ces sépulcres au nom de Jésus. Les prophéties de malheur qu'ils avaient proclamées retombent sur eux au nom de Jésus-Christ. Les projets de destruction, de blocage, de limitation, de mort prématurée qu'ils avaient conçus, ennemis, adversaires de ton destin, que les projets qu'ils avaient formés contre toi se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Il est écrit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Qu'il tombe dans les fosses qu'ils ont creusées au nom de Jésus. Qu'il tombe dans les fosses qu'ils ont creusées. Qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tombe. Salé braco, seke la marado, seke. Chala la marago, seke te. Élève la voix, prie en esprit, prie en esprit. Salé braco, seke te marabaro. Yadra la marago, seke te marabaro. Tout serpent qui avait mordu ta main, mordu ta productivité, mordu ta diligence, lève les mains. Tout serpent qui avait mordu ta force, mordu ta domination, mordu ta richesse, qui s'est attaché à tes mains. La cobri esca. Père, dans le nom de Jésus, juge-les ce soir. Qu'ils prennent feu. À toi, ils prennent feu. Un, deux, trois, feu. J'ai dit feu. Quiconque avait mordu tes mains, dégage tes mains, lâche tes mains. Lâche tes mains, lâche tes mains. Lâche tes mains, libère tes mains, libère tes mains. Oh, renoue les mains, retrouve ta force, retrouve ta diligence, retrouve ta productivité, retrouve ta richesse, retrouve ta domination, retrouve ton pouvoir de commander et d'être au pays. Tout esprit de pauvreté, de limitation, de lourdeur, de paresse, de nonchalance, et qu'on ait mordu tes mains, qu'il soit brisé, qu'il soit réprimé, libère sa main. Libère la main de l'église, libère la main de mon frère, libère la main de ma soeur, libère les mains, libère les mains, libère les mains. Le feu t'atteint, le feu te consume, le feu te brûle, 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 le feu te brûle. Au nom de Jésus, lâche cette main, lâche cette main, lâche cette main. Nous brisons ta tête, nous brisons ta nuque, nous t'écrasons la tête, nous t'écrasons la tête, nous t'écrasons, nous t'écrasons. Écrase-le! Écrase-le! J'avais mordu ta diligence, mordu ton zèle, mordu ta force, mordu ta domination. Il te faisait à te comporter comme un esclave alors que tu es un dominateur. Quiconque s'était emparé de toi et t'avait affaibli, qu'il soit écrasé sous tes pieds maintenant et qu'il lâche ta vie, il lâche ta main, il lâche ta main. Retrouve la force, retrouve ta domination. Retrouve ta vigueur, retrouve ta ferveur, retrouve ta diligence, retrouve ta richesse, retrouve ta domination. Mon frère, ma soeur est réquisitionné pour la gloire.
toi, homme fort, qui mord la tête de nos bien-aimés par la passivité, par un système de pensée de médiocrité, par la perte d'intelligence, la perte d'envie. Tu as mordu les yeux, tu as affecté la vision, tu fais tourner en rond mon frère, ma soeur, par la cécité. Tu l'as rendu sourd à la voix de Dieu. Tu l'as rendu confus. Toi qui mords la tête de nos frères et de nos sœurs et qui empêche la gloire de Dieu de s'exprimer à travers leur intelligence, leur créativité, leur cerveau. Serpent qui te promène, qui a frappé de lenteur dans la réflexion, l'intelligence, le raisonnement. Tu as volé l'intelligence. Tu as volé la raison. Tu as amené la confusion. Et je parle aussi à toi, esprit de mensonge, esprit de manipulation, esprit de sorcellerie. Et je parle à toi, esprit de folie, esprit d'égarement. Toi qui as mordu la tête de ses bien-aimés. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans ce cerveau, tout s'écrit gloire. Dans cette intelligence, tout s'écrit gloire. Tu as volé l'intelligence des rachetés. Tu as limité l'intelligence. Tu as limité la réflexion. Tu as étouffé la vision. Tu as étouffé la capacité de recevoir des idées géniales. Tu as anesthésié la ferveur, l'enthousiasme. Tu as volé la couronne de gloire, d'honneur et de magnificence qui était sur la tête des rachetés. Et tu dis, on me l'a donné. C'est contre toi, contre vous que nous venons ce soir. Serpent, la main du Seigneur est contre vous ce soir. Que tout serpent qui se promenait dans ta tête, qui avait mordu ton intelligence, qui avait causé une atrophie de ton intelligence, c'est-à-dire une diminution, une réduction de ton potentiel qui est immense, mais il a étouffé. Migraine ou pas migraine, folie, quelles que soient les manifestations, que tout serpent qui avait mordu ta tête soit jugé maintenant par le feu. Par le feu, qu'il quitte cette tête, quitte cette tête, quitte cette tête maintenant, 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 maintenant. 1, 2, 3, feu de Dieu, localise ce serpent. Il soit jeté, 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 jeté. Jette-le, jette-le, jette-le. Dégage sa tête. Tu avais mis comme une couverture, une chape de plomb sur sa tête. Dès qu'elle va réfléchir, elle dirait une tortue, elle dirait un escargot dans le raisonnement, la réflexion. Toi, esprit de tortue, libère cette tête. Serpent, libère, tortue, libère. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu te localise. Et que par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu sois jeté dehors. Libère sa tête, libère sa tête. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de lever la voix? Comment que tout ce qui retient les têtes? Dégage, 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 élève la voix, dégage. Tu n'es pas en train de prier pour toi, tu es en train de prier pour tous les saints. Tu es en train de prier pour toutes les personnes connectées au son de la voix de son serviteur. Nous commandons. Quiconque s'était assis sur cette tête, quiconque menait les mots au niveau des yeux, les mots de tête, les mots de crâne, les pères d'intelligence, qui méditaient, que la main du Seigneur te juge ce soir, que le feu te brûle ce soir, que ta nuque soit brisée ce soir, nous t'attrapons, nous te jetons dans les arides, dégage, 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 libère les têtes, libère les têtes, libère les têtes, libère les têtes, libère les têtes. Feu de Dieu sur toi. La main du Seigneur est contre toi. La colère de Dieu s'abat contre toi. Esprit de sorcellerie, esprit de serpent, bras de méchant, la main du Seigneur te brise ce soir. Je commande
que ton joug soit détruit, soit brisé. Allez, quitte, allez, libère. Allez, libère, libère, libère. Libère. Le casque du salut est sur ta tête, mon frère, ma soeur. À partir de maintenant, il protège ta tête, il protège tes pensées. Dans le nom de Jésus, que la main du chirurgien, l'esprit de vie, répare ta tête. Restaure, répare. Restaure, répare. Ta tête, le cortex, l'intelligence, l'inspiration, la créativité, la vision. Retrouve la vision. Allez, Kodama. Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de prier toi aussi? Est-ce que tu es en train d'élever la voix et de prier aussi? L'ennemi par la côte. Si elle est la maro, chale la mara. Libre posé que t'es les brasiers. Ton palais, tout s'écrit, toi. Dans ce cerveau, tout s'écrit, toi. Dans cette intelligence, tout s'écrit, toi. Là où ils allaient voler ta vision, tu marches, tu chantes, mais tu n'as pas de vision, tu n'as pas de destination, tu ne vois pas où tu vas, parce qu'il y avait un voile sur tes yeux. Ce voile est ôté, déchiré. Ce voile est arraché de tes yeux. Le Seigneur télécharge en toi, pas seulement le sens du destin, mais la vue du destin, la vision du destin. Tu vois ton futur, tu vois où tu dois aller. Et tu reçois le zèle et la ferveur pour courir vers la vision. Cette vision parlera pour toi. Toute main qui avait enfermé ta tête, qu'elle périsse ce soir. Qu'elle périsse ce soir. Quiconque avait utilisé ton intelligence pour prospérer avec ton intelligence, il soit jugé ce soir. Que la colère de Dieu le localise ce soir. Que la fureur de Dieu s'abatte sur lui ce soir. Et que tout ce qu'il a généré comme profit en volant ton intelligence, toute la prospérité accumulée, qu'elle soit reversée sur toi. Qu'elle soit reversée sur toi. Il y a un transfert invisible de richesses, de gloire, de toutes les richesses dissimulées dans les ténèbres et avec lesquelles les ténèbres ont prospéré en faisant un commerce avec ta tête. J'appelle la restauration, la restitution de tout ce que les sauterelles avaient volé, dérobé, avaient subtilisé, qui appartenait à ta vie. Père, quel niveau de grâce, de faveur, d'intelligence, de richesse, d'onction, de capacité afflue sur mon frère et ma soeur. Non seulement Père, tu les juges, mais tu restaures ce qui avait été volé à mon frère. Oh, c'est écrit.
Il le fait parce que j'ai accepté, tu as accepté d'être son palais. Je ne peux pas rester enfermé. J'ai une voix qui plaide pour moi. La voix du sang de la rédemption. Quiconque vise ton cœur. Je commande à l'esprit d'amertume, à l'esprit de rejet, à l'esprit de haine, à l'esprit de manque de pardon, de ressentiment qui a piqué, pollué, injecté ses poisons dans ton cœur. Je commande à ces forteresses de tomber maintenant, d'être renversées maintenant. Que la forteresse de l'amertume tombe en toi. Que la forteresse de la peur tombe en toi. La forteresse de la rébellion tombe. La forteresse de la haine tombe. La forteresse du manque de pardon tombe. La forteresse de la colère tombe. La forteresse de l'amertume tombe. La forteresse de la dépression tombe. Libérez les cœurs, libérez les cœurs, libérez les cœurs, libérez les cœurs. Nous brandissons le sang. Est-ce que tu entends lever la voix? Tu ne pries pas pour toi, tu pries pour tout le monde connecté. Nous brandissons le sang de Jésus contre toi. Esprit d'amertume, esprit de peur, esprit de rejet, esprit d'impureté. Toi qui harcèles avec des voix cochonnes d'impureté, d'immoralité. Tu oppresses le cœur de mon frère. Tu oppresses le cœur de ma soeur avec des pensées d'impudicité. Et tu dis non, elle est à moi. Que la colère de Dieu soit orientée vers l'esprit d'impudicité. Que le jugement du Seigneur par le feu localise la sirène, l'esprit des eaux, l'esprit de séduction, l'esprit de serpent, voleur de mariage, destructeur de foyer, destructeur de destinée, voleur de force, voleur de gloire, voleur de vigueur. Que la main du Seigneur soit contre toi. Esprit d'immoralité sexuelle, Mami Wata, que le feu te localise ce soir. Tu as dit qu'elle ne se mariera pas. Elle n'a pas de. Et quand elle se marie, tu la câbles, tu l'oppresses, tu la tourmentes. Que la main du Seigneur soit contre toi maintenant. Esprit d'impudicité, je parle à l'esprit d'impudicité. Élève la voix. Esprit d'immoralité sexuelle, tu fatigues nos enfants, tu fatigues les parents, tu fatigues les personnes âgées. Que la main du Seigneur soit contre toi. Je brise tes œufs, nous détruisons ton étau, ton emprise. Mari de nuit, femme de nuit, dehors. Sors. Nous venons contre toi comme une armée. Nous t'écrasons la tête. Nous te taillons en pièces. Nous te brûlons par le feu. Ce corps n'est pas à toi. Ce corps n'est pas à toi. Ce destin n'est pas à toi. Ces organes génitaux ne sont pas à toi. Son système de son cœur n'est pas à toi. C'est un cœur saint. C'est un cœur rempli de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Avec tes voix, tes forteresses d'immoralité, d'impureté. Tu fais entendre des sons. Tu donnes des images pornographiques perverses. C'est à toi que je parle. Nous abattons des murailles. Nous abattons des hauteurs. Nous abattons des raisonnements. Qu'il tombe au nom de Jésus. Dégage de son cœur. Dégage de son âme. Sors de sa vie. Va dans les arides, va dans les arides, va dans les arides, libère sa vie, voleur de destin, voleur de destin, voleur de gloire, allez libère. Et tu sois avec l'esprit de mensonge, tu sois avec l'esprit de mensonge, réprime l'esprit de mensonge, réprime l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est celui qui nous donne le pouvoir de rester. Réprime que les forteresses de mensonge tombent dans ta vie, que l'amour de la vérité, l'amour de la vérité remplisse ton cœur, saisisse ton cœur, embrasse ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu as en horreur le mensonge. Tu as en horreur le mensonge. Tu as en horreur l'hypocrisie. Tu as en horreur la fausseté. Tu as en horreur. Ah, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne te tais pas. C'est un voleur de gloire. L'esprit des eaux, c'est un voleur.
Il vole la gloire, il vole la vigueur, il vole le destin des hommes, il vole le destin des femmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous réprimons des forteresses, nous les faisons tomber. Et toi, esprit d'immoralité, tu dégages. Allez, quitte, quitte, esprit des eaux, quel que soit ton nom, sors, 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 sors. Il a un destin, elle a un destin qui doit parler, qui doit être manifesté. La raboche et les raboches. Et les rabaches et les filles, filles, filles. Est-ce que tu es en train de prier? Ne te tais pas, ne te tais pas. Taille-le en pièces, taille-le en pièces. Taille-le en pièces, taille-le en pièces. Tu libères cette personne. Au son de ma voix, tu libères nos familles, tu libères nos enfants, tu libères les enfants que tu as emportés, tu libères les enfants et les parents que tu as emportés. Élève la voix, poursuis-le. Esprit d'égarement, esprit d'impudicité, tu ne prévaudras pas dans ma maison, tu ne prévaudras pas un pasteur chrétien, tu ne prévaudras pas dans nos enfants. Nous venons contre toi avec tes forteresses. Nous les abattons, nous les détruisons. Et toi, esprit de carrément, Marie-Ouattara, tu as emporté les hommes mariés, tu as emporté les femmes mariées, tu as emporté les célibataires, et tu as volé leur gloire, tu as volé leur étoile. Nous venons contre toi, nous te détruisons, et nous libérons nos frères et nos soeurs de ton emprise. Nous libérons quiconque était retenu sous le joug de l'impudicité, de la perversion, de la débauche. Nous le faisons sortir, nous le faisons sortir. Nous le récupérons, nous l'arrachons de ta gueule. Toi, dévoreur, nous venons dans le nom de Jésus, de la part de Jésus, dans le sang de Jésus, contre le dévoreur qui a dévoré la sainteté, qui a dévoré les mariages, qui a dévoré les enfants, qui les a pris très tôt et les a pervertis très tôt. Nous arrachons quiconque appartient à un parfum chrétien. Nous t'arrachons nos enfants. Nous t'arrachons nos parents. Tout ce que tu as enfoui dans ta gueule, nous les faisons sortir et nous les ramenons à la maison du Seigneur et nous les plantons dans la maison de Dieu comme des oliviers verdoyants et nous appelons leur consécration 100% à Jésus-Christ. Au nom de Jésus le Christ. Proverbe 5, verset 9. De peur qu'il ne livre. Verset 8, Proverbe 5. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez la femme étrangère. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. On a déjà expliqué à plusieurs reprises que le mot vigueur ici, c'est le mot gloire, force, splendeur, vigueur, gloire. Par l'impudicité, de peur que tu ne livres tes années à d'autres, ta vigueur, pardon, à d'autres et tes années à un homme cruel. L'impudicité est en train d'abréger tes années et en train de renforcer les années de quiconque a compris le mystère derrière la fornication, l'adultère. L'impudicité est une transaction spirituelle. Ce n'est pas seulement un acte physique. Par l'impudicité, on vide un homme de sa gloire, de sa vigueur, de sa force, de son futur. Et celui qui va rencontrer la même femme, de manière mystique, va récupérer. Parce que dans ta semence, il y a plus que du sperme. Il y a ta vigueur, il y a ta gloire, il y a ta splendeur. Voilà pourquoi tu ne peux pas la déposer n'importe où. Elle doit aller à un seul endroit, la femme de ta jeunesse. C'est un voleur de destin. Allez, Ramos. Tout esprit d'immoralité, de débauche, d'impudicité, de perversion,
quelles que soient les formes de perversion sexuelle, de débauche, qui s'était emparé des âmes de cette maison spirituelle et de ceux qui sont connectés à cette maison spirituelle au son de la voix de son serviteur. Quiconque s'était emparé de nos frères et de nos soeurs avait volé leur destin. Comme David a couru après le lion et l'ours pour les égorger, nous courons après eux. Nous vous brisons la nuque. Nous vous égorgeons. Nous vous écrasons la tête. Nous arrachons vos proies. Nous les transportons comme des bons bergers dans la maison de Dieu. Elles viennent en personne chrétienne. Nous commandons leur consécration, leur sainteté et les voies de pleine pureté qui les combattaient à l'intérieur. À partir d'aujourd'hui, sans tes bras les renverser. Impunicité, dégage au nom de Jésus. Nous t'écrasons la tête. Dégage de son cœur. On n'entendra plus ta voix. On n'entendra que la voix de l'esprit de sainteté. L'esprit de pureté. L'esprit d'humilité, de bonté. Les forteresses de débauche et de perversion. Tu avais la volonté. Tu n'avais pas la capacité de t'en débarrasser. Tu parlais à ces voix, mais ne voulais pas se taire. Dans le nom de Jésus, vous vous taisez à partir d'aujourd'hui. Nous vous condamnons en jugement. C'est vrai aussi pour toi, amertume. C'est vrai pour toi, colère. C'est vrai pour toi, rejet. C'est vrai pour toi, esprit de haine. Rébellion. Je parle à vous. Vos voix se taisent à partir d'aujourd'hui. Vos raisonnements sont renversés. Et nous vous attrapons, nous vous chassons dans les arides. Libérez ces cœurs, libérez ces âmes. Votre état de siège prend fin aujourd'hui. Un destin est réclamé. Parce que dans ce destin, dans ce palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Dans ce destin, tout s'écrit. Dans ce témoignage, tout s'écrit. Dans ses pensées, tout s'écrit. Dans mon raisonnement, tout s'écrit. Dans mon âme, tout s'écrit. Dans mes sentiments, tout s'écrit. Dans ses émotions, tout s'écrit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans mon histoire, tout s'écrit. Dans mon âme, tout s'écrit. Aucune autre voix que là. Aucune autre voix que là. Aucun autre son que là. La gloire de Dieu révélée. Au milieu de ténèbres. Dans mon témoignage, tout s'écrit. Dans mon âme intérieure, tout s'écrit. Dans mes pensées, tout s'écrit. La pensée de Christ est ma pensée. Les sentiments de Christ sont nos sentiments. Ainsi en nous tout s'écrit. Ainsi en nous tout s'écrit. Est-ce que c'est ton cas, mon frère, ma soeur? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Esprit avec corps tout s'écrit. Et mon destin tout s'écrit. Ma consécration s'écrit. Mon système de pensée s'écrit. Il n'y aura plus de voix de tumulte à l'intérieur de toi. Les voix qui sont posées contre ta connaissance de Christ sont renversées. Et par la machaclata, restez que ta rémarodie. Dans son palais, tout s'écrit. Dans mon être entier, tout s'écrit. Dans mon mariage, tout s'écrit. Dans mes enfants, tout s'écrit. Dans mon église, tout s'écrit. Dans nos destins, tout s'écrit. Dans tous les ministères, tout s'écrit.
La gloire de Dieu, tout s'écrit. La gloire de Dieu révélée. Et ma rage à l'érosion. Dans les finances, tu sais, c'est tout s'écrit. Dans tes finances, bien-aimés, tout s'écrit. La forteresse de la pauvreté est démolie. Tes mains ne seront plus jamais mordues. Tes mains sont des mains de prospérité. Ce sont des mains de richesse. Dans tes entreprises, tout s'écrit. Dans tes entreprises, tout s'écrit. Dans tes entreprises, tout s'écrit. Dans tes initiatives, tout s'écrit. Les projets que tu fais, tout s'écrit. Arrête Chalero. Et la marche, libre qui la balle, dans son palais tout s'écrit. Libre le marché, on ne peut pas me bloquer, on ne peut pas me résister, parce que la main du Seigneur est sur moi, parce que dans son palais tout s'écrit. La gloire de Dieu sera révélée. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de l'espérance de l'homme. Dans son palais tout s'écrit. Dans mon territoire tout s'écrit. Là où je suis établi tout s'écrit. La terre du pays où je suis. Je prospère dans le pays. Je domine dans le pays. Et tout s'écrit. Je suis escorté par là. Je suis environné de là. Je suis recouvert de là. Dans son palais tout s'écrit. Et ta parole acclame si c'est ton histoire. C'est le démarrero. C'est le démarrero. Voir retenu par les forces bien-aimées. Est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de prier? Dans son palais tout s'écrit. Tu dois danser avec fierté. Dans son palais tout s'écrit. Dans mon esprit avec quoi tout s'écrit. Dans ma témoignage tout s'écrit. Sur un box chrétien tout s'écrit. J'ai ma grâce. Cette santé tout s'écrit. Ça remarra chana le bot. Si elle remarra zéro. Si elle remarra l'idée la masse et la l'oseille à la l'omérigo. Si elle remarra l'idée la masse et la l'omérigo. Si elle remarra l'idée. Le Seigneur bien-aimé est en train de te montrer comment par la violence spirituelle on enfante le destin. On ne négocie pas avec les ténèbres. On est violent. Et on crée l'atmosphère de sa gloire. Abraham, sans faiblir dans la foi, et ne considéra point. Chacun d'entre nous sera toujours confronté, exposé à des faits
à des réalités, à des statistiques. Il ne considéra pas. Pourquoi il n'a pas considéré? Parce qu'il n'a pas faibli. À partir d'aujourd'hui, tu es fortifié dans la foi. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a dit, c'est votre verdict. Et moi, je donne gloire à Dieu. Je suis son palais. J'ai une alliance. Ceux qui vivent ce genre de choses, Abraham a dû être violent. Il a combattu des voies intérieures. Pour arriver à donner gloire à Dieu, il a dû réprimer des voies intérieures. Les voies d'impossibilité, les voies des statistiques, les voies des pronostics, les voies des verdicts, les voies des opinions humaines. Dans son palais. Dès là que je suis sur le palais, il y a un seul cri qui va accompagner. Le monde, ils disent hurra. Moi, je dis gloire. C'est toi qui l'as fait. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que c'est lui qui est en train d'être manifesté. C'est lui qui est en train d'être visible. C'est le destin qu'il avait préparé qui est en train de prendre forme. Ce sont les projets qu'il avait formés sur nous qui sont en train de s'accomplir. Que la pensée de Christ soit imprimée, greffée sur les tables de ton cœur. Les voix d'intimidation, les voix de terreur, les voix de peur. Les voix de peur du futur, peur du célibat, peur de tomber malade, peur de ne pas travailler, peur d'échouer, peur d'être combattu. Que toutes ces voix de peur qui te hantaient soient débranlées maintenant. Que l'esprit de peur dégage de ton âme. Nous te sortons de la tyrannie, de la prison, de la peur ce soir. Que l'esprit de foi, l'esprit de paix, l'esprit de joie, de célébration remplisse ton cœur. Soke lama, re roke suka lama. Que toutes les forteresses que les ténèbres avaient plantées habilement dans ton cœur pour te retenir prisonnier, prisonnière, soient exposées et renversées au nom de Jésus. Que par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, tout raisonnement, hauteur, système de pensée qui en toi empêche l'application de la parole, empêche ta lumière de briller, empêche ta vie de resplendir. Que ces odeurs, ces raisonnements et ces forteresses soient ébranlés au nom de Jésus. Toute voix qui t'a intimidé, je la réprime au nom de Jésus. Toute voix de découragement, je la réprime au nom de Jésus. Toute voix de peur est réprimée.
La voix du découragement est réprimée. La voix de l'esprit de murmure dégage de ton cœur. Tu ne baignes que dans l'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce, l'action de grâce. Ton futur a besoin d'être escorté, accompagné par la grâce de Dieu au quotidien. Voilà pourquoi le psalmiste dit le bonheur, la grâce et la miséricorde m'accompagnent. Les critiques, les murmures sont la forteresse de Satan. Les murmures viennent de l'amertume. C'est la forteresse de Satan pour t'empêcher, quel que soit ce qui t'arrive, de rendre grâce à Dieu. C'est la forteresse de Satan pour empêcher les fleuves de grâce de t'escorter dans ton destin. Quand le diable en a marre de ce que tu es trop de grâce, tu es accompagné par la grâce, le bonheur et la miséricorde. Quand le diable veut en bloquer la grâce, et quand on bloque la grâce, on bloque la fluidité. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est par grâce. Quand la grâce s'arrête, c'est comme un moteur qui n'a plus d'huile. Il va se casser. Une vie qui n'est plus escortée par la grâce va se casser. Elle va sécher, elle va s'arrêter. Se réveiller, c'est une grâce. Avoir la vigueur, c'est une grâce. Avoir les yeux, c'est une grâce. Toucher, c'est une grâce. Respirer, c'est une grâce. Digérer, c'est une grâce. Manger, c'est une grâce. L'appétit est une grâce. Avoir un travail, c'est une grâce. Réfléchir, c'est une grâce. Chercher, c'est une grâce. Tout ce qui t'arrive, croyant ou incroyant, est le résultat des flots de grâce qui accompagnent ta vie. Et quand le diable veut, il en a marre. Il ne peut pas combattre ton destin sans ta coopération. Et quand il veut mettre un terme à la grâce qui t'accompagne, parce qu'il est jaloux de ton destin, alors il va passer par les gens ou par les événements pour introduire dans ton âme, dans ton cœur, les murmures, l'amertume, les critiques. Du coup, au lieu de rendre grâce, tu commences à te plaindre. Chaque fois que tu te plains, sache que la grâce est en train de diminuer dans ta vie. C'est la forteresse de l'amertume, des critiques. Dieu te délivre de cette forteresse ce soir. Parce que ton destin a besoin d'être escorté par le bonheur, la grâce et la miséricorde. Alors nous te demandons pardon pour les murmures. Pardon pour les critiques. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Interdis à ton âme de murmurer. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle que soit l'injustice que tu subis, interdis à ton âme de murmurer. Interdis. Je murmure. Ce n'est pas juste un sentiment. C'est une forteresse. C'est une prison intérieure qui est en train d'être construite en toi pour freiner. C'est là l'esprit de jalousie, dit, elle a trop de grâce. Mais quand tu demeures dans l'action de grâce, en tout temps, ce sont des pluies de grâce qui viennent. Et les injustices, Dieu les réparera. Ce que tu as perdu, ce qu'on t'a volé, tu le retrouveras. Refuse le murmure. Refuse les critiques. Refuse l'amertume. Si Shaka
Ne te tais pas, continue. Ennemi de ton destin, c'est un adversaire même de ton destin. Il veut t'affaiblir, te paralyser pour empêcher ton destin de s'accomplir, parce que ton destin a besoin de force, de vigueur, et la maladie est là pour t'affaiblir. Nous allons prier, élever d'abord la voix, demander à Dieu d'étendre sa main dans cette situation, ce contexte de pandémie. Il faut que la main du Seigneur localise nos frères et nos sœurs. Nous allons continuer tendre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer. Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Proclamez ton nom. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ton amour, tes compassions. Que tu es le même, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu étends encore ta main. Même à distance, tu sais étendre ta main. Nous allons continuer ton œuvre. Continuer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Et en étendant ta main, nous voulons proclamer au monde
ta parole, tes compassions que tu aimes. La raison pour laquelle tu guéris, c'est parce que tu aimes. La raison pour laquelle tu guéris, nous allons. C'est parce que nos destins ont besoin de vigueur. Nous allons à bas. Rendre gloire, rendre gloire, rendre gloire à ton nom et proclamer la parole de guérison. Tu envoyas ta parole et tu les guéris. Tu les fis sortir de la fosse. C'est ta volonté de guérir ces maladies qui affectent, qui gangrènent, qui affaiblissent nos frères et sœurs là-bas. C'est ta volonté. C'est la raison pour laquelle le sang de Jésus a été versé à Golgotha. Oh, Seigneur Jésus, c'est ta volonté. Glorifie ton nom ce soir en étendant ta main afin qu'il s'opère des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations par ton saint nom Jésus le Christ. Continuer. Oh, nous allons glorifier ton nom et proclamer que tu es le Dieu qui guérit. Tu as porté nos maladies, tu as porté nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies sur ton dos à la croix. Et nous prions et proclamer. Prions ce soir, Seigneur, que tu confirmes la parole, tu fasses parler le sang de la rédemption, pas à cause des hommes de Dieu, pas à cause de nous, non, mais à cause de tes grandes compassions, à cause du sang de Jésus, versé pour racheter l'homme de la tyrannie du diable. Oh, il est écrit, vous savez comment Dieu a oué un esprit saint de puissance. Jésus de Nazareth est allé de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Envoie ta puissance sur nous et proclamez. Ta parole. Proclamez que tu guéris. Envoie allant demander au Seigneur de faire sa volonté. Sur la base de Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oué un esprit saint de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est sa volonté de guérir. Demandons-lui d'accomplir ce soir sa volonté. Quels que soient les différents types de maladies localisées dans les corps, que dans sa miséricorde, le Seigneur étende sa main, fasse parler le sang de Jésus. Et que la main du Seigneur guérisse les maladies, les infirmités ce soir. Et levons la voix, demandons-lui, c'est ta volonté, accomplis-la ce soir. Pas pour prouver, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. À cause de ton nom, à cause de tes compassions, à cause de ton sacrifice, à cause de la rédemption, à cause de ce que tu as fait. Étends ta main maintenant à bas. Étends ta main, Seigneur, sur toutes les formes de maladies. Seigneur, toutes les formes de maladies, d'infirmité, de faiblesse, d'handicap, de paralysie, cite les maladies que tu connais et demande au Seigneur d'étendre sa main, d'étendre sa main, d'étendre sa main et de faire le bien et de guérir, de faire le bien et de guérir. Est-ce que tu es en train de prier? Demande-lui de faire sa volonté, d'étendre sa main et de guérir les maladies cardiaques, les maladies du cœur, les maladies mentales, les maladies gynécologiques, les maladies des articulations, les maladies génétiques, toutes les formes de maladies, les maladies infectieuses, les maladies virales. Seigneur, étends ta main, les maladies de peau, les infirmités, les afflictions, les tourments, les oppressions. À cause du sang de Jésus versé pour notre délivrance, notre guérison, notre rédemption et notre délivrance, notre guérison, notre protection, notre rédemption. Étends ta main, nous te prions ce soir à bas. Étends ta main, c'est ta volonté de guérir. C'est ta volonté de guérir des articulations, des os, des maux de dos, des maux d'estomac, de guérir des cancers, de guérir des diabètes, guérir des tumeurs, guérir des grosseurs, guérir des rondeurs, guérir de ce que les hommes ont déclaré incurable. Étends ta main,
Ces maladies sont les ennemis de notre destin. Étends ta main, libère les destins vers. Rends ton peuple capable d'accomplir son destin. Que les maladies qui causent la mort dès ce soir soient réprimées. Tout verdict de mort, nombre de jours restant à vivre de cancer, quelle que soit la maladie de coronavirus, maladie infectieuse, étends ta main sur quiconque est sous le joug de l'affliction, de la douleur, quiconque est dans la chambre de la mort, quiconque est dans le couloir de la mort, si ce n'est pas le temps que tu avais prévu pour lui, fais-le sortir, fais-le sortir, fais-le sortir. En étendant ta main, est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Est-ce que tu es en train d'intercéder? Étends ta main et que toutes les masses, les boules, les corps étrangers, les dysfonctionnements localisés dans le corps, les métastases, tout ce qui entraîne quelqu'un dans le couloir de la mort, sois réprimé ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main et le bien. Fais ta volonté, guéris. Fais ta volonté, guéris. Fais ta volonté, délivre. Fais ta volonté, restaure. Restaure la vigueur à des membres, aux articulations. Que les arthroses, les arthrites soient réprimées. Que les organes, Seigneur, parce que nous sommes à l'hôpital général des meurtrissures de Jésus, que les organes défaillants, abîmés, le foie, le pancréas, la prostate, les reins, les seins, les organes gynécologiques, le cerveau, le cœur, Seigneur, remplace, restaure, 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 étends ta main, effectue un remplacement, une restauration, une restitution. Que ta main soit étendue ce soir, Père, pour faire ta volonté. Ta volonté, c'est de guérir. Quand il vous imposerait les mains malades, les malades seront guéris. Étends ta main ce soir. Nous te prions, Abba. Père, étends ta main. Chez la balance, ok. Chez la balance. Père, étends ta main. Abba, Père, étends ta main. À cause de ton nom et du sang de Jésus, Père, c'est ta volonté. Étends ta main. Aie compassion, Abba, de ces corps affligés, Père, affaiblis. Étends ta main. Fais marcher, redonne de la vigueur à celui qui était handicapé. Redonne la vigueur à ses os. Redonne la vigueur divine à ses organes, nous te prions. Père, à cause du sang de Jésus. Redonne la vigueur à ses poumons cramés. Étends ta main. Contre ces métastases, ces tumeurs qui se baladent dans les corps. Étends ta main. Sors de la force de la mort prématurée, celui que le diable a emmené. Étends ta main. Ne laisse pas les justes l'embarras. Non, non, non. Quiconque espère en toi sera pas. Étends ta main sur ces maladies humainement impossibles à guérir, scientifiquement impossibles à guérir. Étends ta main sur ces maladies bizarres de peau. Étends ta main sur ces dysfonctionnements du système immunitaire. Ah bah, étends ta main sur ces leucémies.
sur ces maladies auto-immunes, ces maladies où le corps s'auto-détruit tout seul étant. Abba, arracha. Étends ta main sur ces sportifs qui ont besoin de faire du sport et de prier. Étends ta main sur ceux qui sont handicapés, ceux qui sont affaiblis dans leurs articulations, dans leurs os, dans leurs membres. Étends. Étends ta main, fais le bien, guéris, Père. Eh bien aimé, prépare-toi à mettre la main là où tu avais mal, si tu as mal quelque part. Et si toi tu n'as pas mal, tu vas élever la voix pour prier pour tous ceux qui sont affligés. Arroche de la rose. Sur les maladies pour lesquelles il n'y a pas de remède médical. C'est les barons de la rose. Là où la science ne peut pas agir. Amen. Fais le bien, fais le bien, fais le bien et guéris. Guéris. Allez, sur la stérile. La stérile. Quiconque avait fermé les entrailles de cette femme. Tout esprit de serpent qui avait fermé ses entrailles. Dans le nom de Jésus, quitte ses parties génitales. Quitte son utérus. Toi qui te baladais dans ses estomacs qui créaient des ulcères, dégage ses ulcères. Dégage avec tes ulcères. Sors de son estomac, sors de son estomac. Tu lui as fait manger des nourritures mystiques. Et depuis lors, il y a des douleurs chroniques dans les estomacs, dans l'estomac. Les intestins sont affectés. Libère l'estomac. Libère l'estomac. J'envoie le sang de Jésus là où tu avais envoyé ton poison. Dégage. Maro, chale, papa, maro. Esprit d'infirmité, quitte ses corps. Quitte ses corps. Libère ce ventre. Toi qui amenais cette stérilité, tu amenais cette stérilité. Libère. Va dans les arides. Par la main du Seigneur, ton bas et ton bras est brisé ce matin. Amen. Que cette tumeur soit réprimée dans le sang. Par le sang de Jésus, nous brandissons le sang de Jésus contre l'esprit de mort, les métastases, les tumeurs, quel que soit l'endroit du corps où ils sont localisés. À cause du sang de Jésus, que ta main soit étendue pour réprimer, réprimer tout virus, tout poison qui se promène dans ce corps, qui se balade dans ce corps et qui a fait infecter le sang par le sang de Jésus. J'appelle une transfusion sanguine divine. Que les globules blancs de Jésus défendent ce corps et répriment toutes ces maladies contagieuses, ces maladies infectieuses. Dans le nom de Jésus, étends ta main sur le foie. Étends ta main sur les reins. Étends ta main sur les poumons, sur la prostate. Étends ta main sur les organes génitaux. Étends ta main sur la tête, sur le cœur. Étends ta main sur les genoux, sur les articulations, sur les cuisses, sur les genoux, sur les mollets, sur les pieds. Étends ta main. Étends ta main sur le dos. Et que toutes ces douleurs lombaires soient réprimées. Ce mal de dos soit réprimé. Et si c'est un serpent qui se promenait dans ce dos, qu'il soit dégagé par le feu. Que la main du Seigneur l'arrache, le saisisse par le cou, nous le jetons dans les lézardines. Dégage ce corps, dégage ce dos, dégage son ventre, dégage ses seins, dégage les reins. Libère. Étends ta main sur quiconque est affligé. Étends ta main. Non, ton bras, ta main n'est pas trop courte pour sauver. C'est ta volonté de faire le bien. Accomplis dès lors ta volonté. Étends ta main. Ne guéris pas une poignée. Guéris une multitude. Guéris des multitudes. Au son de la voix de ton serviteur. Étends ta main. Étends ta main sur cette tête. Restons là-bas. Par le sang de Jésus, que tout organe défectueux abîmé, nous te demandons pardon pour notre manque de sagesse, nous te demandons pardon pour notre négligence, nous te demandons pardon,
là où nous n'avons pas pris soin du temple du Saint-Esprit, les excès de table, les excès de manger, les excès de boire, qui a entraîné des cirrhoses, qui a entraîné la putréfaction du foie. Étends ta main à cause de tes compassions. Restaure ce foie, restaure le pancréas, restaure la vésicule biliaire, restaure avant. Restaure les reins, restaure. Étends ta main. Pardon pour l'excès de sucre, là où le diabète a fait des ravages. Étends ta main. Étends ta main. Sur les maladies gynécologiques naturelles, étends ta main. Restaure là où il y a les trompes qui étaient bouchées. Là où une trompe était bouchée, là où on a déclaré infertilité. Étends ta main. Étends ta main, fais revivre de nouveau celui qui a redonné la vigueur, qui a redonné la vie à la matrice de Sarah. Redonne la vigueur à cette matrice de cette femme qui veut avoir des enfants dans ta volonté. Étends ta main, rends la fertile de nouveau, de la stérile enfante autant de fois qu'elle veut, dans le nom de Jésus. Abba, étends ta main. Sur les dysfonctionnements du système immunitaire, les désordres, les maladies auto-immunes, sur l'autisme, étends ta main. Quand la schizophrénie, étends ta main. La folie, étends ta main. Guéris, sauve, libère, c'est ta volonté. Étends ta main sur ceux qui ne voient pas, sur ceux qui sont aveugles ou qui ont perdu l'usage de la vue. Glaucome, étends ta main sur ses yeux. Oh Père, étends ta main, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Étends ta main sur ses oreilles, étends ta main sur ses paralytiques qui ont perdu l'usage de la jambe, l'usage du bras. Étends ta main, Seigneur, redonne la motricité. Et là où il y avait un organe qui avait été amputé, étends ta main. Tu es celui qui a fait repousser les membres. Étends ta main. Là, il y avait des dos bossus, des douleurs permanentes au dos à cause d'une croissance rapide. Certains ont mal au dos. Redresse la colonne vertébrale. Tu as redressé le dos de cette femme qui était couverte d'une forme de favoritisme. Étends ta main. Étends ta main. Redresse la colonne vertébrale. Remets les disques là où ils avaient disparu. Fixe les disques, fixe les os. Fixe la voie des pilières. Étends ta main. Que les maladies de paralysie du problème de moelle et pilière soient réprimées dans le nom de Jésus. Étends ta main, redonne la motricité à celui qui avait perdu la motricité. À cause des AVC, tu avais perdu l'usage des membres de certaines parties de ton corps. À cause d'un AVC, que l'esprit de vie souffle sur toi maintenant au son de ma voix. Il souffle sur toi là où tu es dans ta maison, dans ton lit d'hôpital, dans le lit d'affliction. Que la paralysie quitte, que l'esprit de vie en Jésus-Christ pénètre ton corps au son de ma voix. Il envoya sa parole. Que cette parole pénètre, elle pénètre, elle pénètre, elle pénètre ton corps. La chair, la partie paralysée, soudainement bouge. Elle reprend vie. La vie vient là où il y avait la paralysie. La vie pénètre dans le nom de Jésus. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors que son corps était mort, inanimé, l'esprit de vie a pénétré dans le tombeau. Que l'esprit de vie pénètre, le même esprit pénètre dans ton corps et donne la vie, redonne la vigueur, la vitalité. Amène la motricité, amène la vie là où il y avait la mort, là où il y avait l'inertie, là où il y avait la sécheresse. Que la vie de Dieu pénètre par la parole, pénètre par la parole. Tout désordre dans ton corps, pleurez-y. On a constaté qu'il y a de l'eau de tous les côtés. Que par le feu du Saint-Esprit que Élie a appelé, qui a absorbé l'eau, que l'excès d'eau dans ton corps, maintenant au son de ma voix, tout excès d'eau, je ne sais pas d'où ça vient, on ne sait pas, mais je déclare que par le feu du Saint-Esprit, l'excès d'eau dans ton corps, dans tes poumons, soit absorbé. Ravacha,
et que tout orifice qui évacuait faisait sortir l'eau par la main du divin chirurgien, le premier des chirurgiens qui a fait la première chirurgie lorsqu'il a fait sortir Ève de la côte d'Adam, que le divin chirurgien, dans le nom de Jésus, localise les parties de ton corps où il y avait un désordre, qu'il opère, qu'il couse, qu'il restaure sans cicatrice humaine au nom de Jésus. Amen. Par ton Esprit Saint, par l'Esprit de vie. Amen. Réprimons les maladies, réprimons les noms que tu connais, élève la voix, ne te tais pas. Les bras, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends, 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 les malformations, les malformations génétiques, les malformations vénales, les maladies des veines, les varices, les hémorroïdes, les maladies des veines, des articulations, étends ta main, les maladies de la circulation sanguine, étends ta main sur ses veines, étends ta main sur ses veines, étends ta main sur ses artères, étends ta main sur ses ligaments, étends ta main sur ses tissus, étends ta main. J'envoie ta parole et ta parole guérit. Tu guéris par ta parole. Étends ta main contre la fibromyalgie, des douleurs généralisées dans tout le corps. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un serpent qui se promène. C'est qui cause cette fibromyalgie. La main du Seigneur est contre toi. Au nom de Jésus. Lâche ce corps, va dans les désarrives. Tu emmènes des douleurs diffuses dans tout le corps. C'est à toi que je parle. Fibromyalgie, libère ce corps. Tu causes des douleurs généralisées, de la tête aux pieds, et les traitements ne soignent pas ça. Toi qui causes le lupus aussi, libère le corps. Libère le corps. Fais un pardon pour le cœur. Là où le cœur a laissé une porte ouverte à cause de ta miséricorde et de tes compassions, pardon. Là où le cœur a été la porte ouverte de Satan. L'infirmité émotionnelle a laissé la porte à l'infirmité physique. Nous demandons pardon et nous te remercions pour les forteresses renversées. Les cœurs sortis de la noirceur de l'amertume, du manque de pardon, de l'amertume, du manque de pardon, du ressentiment. Merci pour l'amour de Dieu qui possède ces cœurs par le Saint-Esprit. Et nous commandons à la fibromyalgie de quitter les corps. Lupus, sort de ces corps. Libère quiconque était retenu, prisonnier par toi. Dégage, va dans les amis. Laisse partir. Père, étends ta main. Étends ta main. Quiconque a causé l'endométriose dans ses corps, qui compte appuyer l'utérus et tu causes des douleurs. Oh, Malako, c'est qui est à la main. Que la fureur de Dieu s'abatte contre toi. Que la colère de Dieu te localise. Esprit humain, bras de méchant. Que ton emprise sur ces utérus. Sois brisé ce soir. J'ai dit sois brisé ce soir. Cette douleur quitte ma soeur.
Je renvoie cette douleur à son expéditeur. Je renvoie cette douleur à celui qui a appelé la douleur dans son corps. Je renvoie cette douleur à son expéditeur. Dégage, lâche ta main. Que ton bras soit brisé. Que l'esprit de vie restaure ses utérus. Restaure ses organes génitaux. Que la douleur s'arrête ce soir. Que cette douleur s'arrête ce soir. D'une manière générale, toutes les formes de douleur généralisées dans le corps, qu'on ait mis un nom ou qu'on n'ait pas mis de nom, que cet esprit d'infirmité quitte le corps, quitte le corps. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Dégage-le! Dégageons-les, dégageons-les! Maracassé Kotoramama, Liketarama, feu de Dieu! Entre tous les serpents qui se promènent dans ce corps et qui serrent, nous vous taillons bien, se dégagez. Allez dans les arides. Out, out, out. Dégagez les corps, dégagez, dégagez, dégagez. Esprit d'infirmité, tout ce qui a amené des douleurs dans ce corps, sortez de ce corps. Libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps. Étends ta main, étends, étends. Libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps, libérez les corps. Tu es venu, tu t'es connecté avec une douleur quelque part dans le corps. C'est des mouvements que tu ne pouvais pas faire au son de ma voix, connecté ou en direct. Bien-aimé, constate, la douleur a disparu. Constate, constate, constate. Tu vas envoyer des témoignages. Dès cette nuit, demain, tu enverras des témoignages au mail. Et tu peux envoyer des numéros. Tu peux envoyer des témoignages par WhatsApp. Ils seront également écoutés. Le numéro WhatsApp va s'afficher à l'écran. Oui, c'est ça. Tu notes et tu vas envoyer des cascades de témoignages à la gloire de son nom. C'est ta volonté. Nous, Père, nous avons juste demandé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur au ciel. Ainsi en est-il dans nos vies au nom de Jésus. Ainsi en est-il dans ces temples au nom de Jésus. Amen. Étends. 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 Abba, merci. Étends. Élevant la voix, rendons grâce à Dieu. Il a étendu sa main. Il nous a conduits par son esprit. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit. C'est ce qu'il a fait ce soir. Élève la voix, rends grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu en proclamant qu'on ne peut pas t'enfermer. Ton destin est libéré. Personne ne te retiendra. Tu as été réquisitionné pour la gloire, car dans son palais, oh, où c'est que les gloires, allez, qui rabat, élève la voix, rends grâce à Dieu. Et
Proclame qu'on ne peut pas. Les violents proclament. Proclame qu'on ne peut pas. Il n'y a pas un homme faux. Le plus faux habite en toi. On ne peut pas te maintenir. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Dis-lui merci de ce que personne. Tu as dit dans ta parole, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Abba, merci de ce que nul ne tiendra devant moi mon destin tant que je vivrai. Pas à cause de moi. Parce que tu as dit dans ton palais tout ce cri gloire. Ah, dans ton palais tout ce cri gloire. Ah, dans ton palais tout ce cri gloire. De manifester à notre destin car tout s'écrit dans ton palais, dans mon histoire, ma maison, tout s'écrit dans mes os, dans ma santé, tout s'écrit dans mes mains, dans mon travail, dans mes entreprises, tout s'écrit sur un bâton chrétien. Sur l'autel royal là-bas, tout s'écrit. Les corons de saints. Là-bas, dans ton église, tout s'écrit. Dans nos familles, nos foyers, nos destins. Là-bas, tout s'écrit. Nous te rendons grâce là-bas. Parce que tout s'écrit gloire dans ta maison. Et nous sommes cette maison. Individuellement et corporativement, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci d'avoir étendu ta main. Merci de nous avoir fortifiés, de nous avoir vivifiés dans nos corps. Restaure nos forces ce soir, nos forces physiques. Abba, dans tous ces cris. Dans ta gloire, il y a la paix, il y a la vigueur, il y a la force, il y a la santé, il y a la créativité, il y a l'ingéniosité, il y a l'éclat, il y a la splendeur. Il y a la magnificence, il y a l'honneur, il y a l'activité restaurée. Tout s'écrit. Il y a l'héritage, il y a la vie divine, il y a l'immunité. Il y a l'immunité par le sang de Jésus. Tout s'écrit. Alléromacé, c'est le rocosé. Tout s'écrit. Dans ce lieu, dans les églises connectées, dans les maisons connectées, dans les familles connectées, tout s'écrit. Dans l'air que nous respirons là-bas, par le sang de Jésus, tout s'écrit dans nos os, nos articulations. Là-bas, tout s'écrit dans nos entreprises, nos ministères, notre famille spirituelle. Là-bas, tout s'écrit. Nous te rendons grâce pour les sentences que tu as proclamées. Nous te rendons grâce pour les verdicts que tu as proclamés. Nous te rendons grâce pour les jugements que tu as envoyés. Nous te rendons grâce pour les promesses que tu as libérées. Nous te rendons grâce pour les paroles que tu as relâchées. Donc il est écrit, tu envoyas ta parole et tu les guéris. Ta parole nous fait échapper de la force. Nous te rendons grâce pour la vigueur que tu nous as donnée. Tu as dans ton palais tout s'écrit. Tout s'écrit. Ah, 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 veille sur ta parole pour l'exécuter. Il est écrit dans 1 Roi 8, verset 56. La dernière phrase. 1 Roi 8, verset 56.
1 Roi 8, verset 56. Ça, c'est pas la dernière phrase. Si vous n'avez pas mettre des phrases, ne mettez pas. Mais c'est pas ça. Mettez-moi la phrase miséricorde. De toutes les paroles. Mettez, s'il vous plaît. J'ai dit mettez à l'écran. De toutes les paroles. La phrase d'avant. La phrase d'avant. Une phrase ne commence jamais par avait. Quand on dit la dernière phrase, une phrase ne commence pas. Voilà. De toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. De toutes les bonnes paroles que Dieu avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Père, qu'il nous soit fait selon cette parole. De toutes les paroles que tu as prononcées par ton serviteur, aucune ne restera sans effet. Et il est écrit que ta parole court, elle agit avec rapidité. Que cela soit attesté cette nuit au nom de Jésus. Ta parole nous escorte, ta parole nous accompagne, ta parole nous guérit, ta parole nous vivifie, ta parole nous nourrit. Nous te rendons grâce pour ta parole. Tu fais toutes choses par ton esprit et par ta parole. Merci de nous donner un cœur de foi qui ne considère pas. À partir d'aujourd'hui, quiconque s'était connecté faible ressort avec une foi forte et inébranlable. Et à cause de cette foi, tu ne considéreras plus qui a échoué dans ta famille. Tu ne considères plus. Les cas de divorcé, tu ne considères plus. Les cas de pauvreté, ça ne sera pas ton cas. Tu ne considères pas. Tu ne considères plus. Et tu es fortifié dans la foi. Et tu as donné gloire à Dieu. Et tu vas continuer de donner gloire à Dieu à la maison. Baigné dans l'atmosphère prophétique. Car dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Il parlait de toi, il parlait, il annonçait d'avance ton futur, tout s'écrit. Il annonçait le son qui accompagnerait ta vie. Ah, tout s'écrit. Ton palais tout s'écrit. Dans ton palais tout s'écrit. Dans ton palais tout s'écrit. Et devant la voix, rendons grâce encore à Dieu quelques secondes. Rendons grâce encore à Dieu. Nous prions que tu vivifies nos corps, nos os, nos muscles, nos articulations. Nous prions que tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives, nous qui nous sommes déplacés dans une église en présentiel. Nous te remercions, Père. L'air autour de nous est purifié par le sang de Jésus. Nos maisons, l'air dans nos maisons et en route et dans nos voitures, dans les transports, est purifié par le sang de Jésus. L'air que nous respirons est filtré, purifié par le sang de Jésus. Débarrassé de tout corona, de toute pandémie, de tout virus au nom de Jésus. Nos maisons sont marquées du sang de Jésus. L'église, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Nous prions que le sang de Jésus protège chacun et chacune au nom de Jésus. L'esprit de mort réprimé au nom de Jésus.
et il n'emportera personne. Les accidents, les calamités, les incidents, les malheurs n'emporteront personne au son de ma voix et dans nos familles et dans l'église et dans nos familles au nom de Jésus. Nous te remercions, Père. Nous déclarons que le ministère des anges affecté à notre protection, à notre escorte, est déployé et il est efficace. Et il est redoutablement puissant au nom de Jésus. Nous déclarons que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Conformément à ta parole, nos ennemis sont notre marchepied. Tu fais de nous des traîneaux aigus garnis de pointes et nous écrasons quiconque se dresse contre nous. Nous lui écrasons la tête au nom de Jésus. Car tu as dit, j'écraserai devant mon serviteur ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Qu'il nous soit fait selon cette parole. Nous te rendons grâce de ce que nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas abandonnés. Nous te rendons grâce de ce que tu es avec nous, en nous, sur nous et à travers nous. Nous te rendons grâce parce que c'est ta présence seule qui fait la différence. Merci de nous avoir conduits. Merci d'exercer nos mains au combat. De nous apprendre chacun d'entre nous à devenir un soldat, un violent du royaume, un fondeur de destin. Je déclare que cette grâce de la prière, tu l'emmènes partout où tu vas et tu deviens un départ de feu dans ton foyer, un départ de feu dans ta maison, un départ de feu dans ta famille. L'atmosphère que tu vois ici va t'escorter là où tu vas et partout où tu vas prier, la même atmosphère de feu te localise et elle fait de toi un traîneau aigu garni de pointes également. Elle fait de toi une terreur pour les puissances de sorcellerie qui étaient assises dans ta famille. Elles sont dégagées, elles sont délogées à ton aspect, elles sont terrifiées au nom de Jésus. Ceux qui parleront contre toi, ce qu'ils diront retombera aussitôt sur leur tête. La paix de Dieu est avec toi. La main du Seigneur est sur toi. La faveur divine t'accompagne. Le cœur de Dieu te saisit. L'amour de Dieu te remplit. Les compassions de Christ te saisissent. Le bonheur, la grâce et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie. Maintenant et jusqu'à la fin de ta mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Ta vie ne fera pas pitié. Ton témoignage ne fera pas pitié. Quelle que soit la manière dont ton histoire a commencé, elle ne fera pas pitié. Dieu a écrit la fin de ton histoire lorsqu'il t'a mis en Christ. Il a dit que dans son palais, tout s'écrit. Dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons, Père, ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimé, je tiens à te féliciter, toi qui t'es déplacé en présentiel et même toi qui t'es connecté toute la soirée. Tu es en train d'enfanter ton destin et il parlera. Tout ce que tu avais perdu pendant toute cette pandémie, tu récupères tout. La vigueur, la ferveur, la puissance, l'audace, la hardiesse, la ténacité, l'autorité, le dépôt, tout est restauré. À travers le corona, le diable avait égaré le destin de plusieurs enfants de Dieu. Ce ne sera pas ton cas. Ils avaient des projets de malheur. La trajectoire que Dieu a prévue pour toi, c'est celle que tu prends.
tes projets s'accompliront. Encore une fois de plus, bienvenue dans ton destin. Bienvenue dans ton destin, tu n'échoueras pas. J'ai dit bienvenue dans ton destin. Bienvenue dans ton destin. Ne me dis pas, pasteur, j'ai 80 ans, c'est trop tard. Non, j'ai dit bienvenue dans ton destin. Caleb avait 80 ans. Ton destin a commencé à 80 ans. Une nouvelle histoire a commencé. Bienvenue. La suite de ta vie sera la partie la plus glorieuse que tu n'as jamais connue. Tu finiras rassasié de longs jours et heureux sur la terre. La mort prématurée ne t'atteindra jamais. Ce sont les méchants dont la vie sera abrégée. La tienne sera prolongée. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous te rendons grâce. Merci. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage maintenant et à jamais au nom de Jésus.